il dispose en ce moment. Dieu dit, va accomplir quelque chose, Dieu donner une charge ce matin. Et l'ensemble de ta vie, que tu puisses servir le Seigneur. Parce qu'effectivement, le poste que tu occupes, le poste de servir d'autres, en tout cas, tu corresponds. Et pendant que je regardais, je te voyais, tu marchais dans une rue. C'est sur une rue, tu marchais sur une rue. Mais en tout cas, la plupart que tu as portée était tellement sympa, tellement jolie. Même une personne qui n'a rien fait, en tout cas, mais la plupart avait aussi ta portée. Tellement jolie, mais je te vois dans cette rue. En tout cas, tu vois une princesse. Et la voix de Dieu le dit ici. Dis à ma servante, dis-lui. Que désormais elle a qu'à payer. Tout le service doit s'appuyer. Que ça doit assurer leurs vêtements. Leurs joues puissent toucher au pied comme celle-là. Et que pour jamais nous devons faire un élément de service d'autre. Pas tellement que cela. Que leur appelant puisse descendre. Et qu'ils charge le service d'autre. Pour veiller que toute l'église désormais s'appuie ici. Tu es triste. Que lorsque la fille vient, elle doit apprêter une clé en bas d'elle. Et que lui, il a horreur de voir l'église. La oreille de voir ces choses, il voit ce que son cœur lui fait mal. Tout le monde pour cela. Que tous les filles de l'église s'appuient normalement et correctement. Et lève la main, tu vas te punir. Dieu te chasse ce matin avec le salut d'un détaillé et d'aider les filles de l'église à s'appeler correctement, à s'appeler normalement, à s'appeler décemment comme Dieu le veut. Et son esprit est sur ta vie. Il va te donner cette force-là pour que tu puisses opérer ce courage-là, pour que tu puisses opérer. Parce que tu veux. L'Esprit de Dieu te convainc et te remplit maintenant de sa présence. Pour que tu puisses le faire avec force et vivacité. Regarde là tout à l'heure, voir l'onction de Dieu fait sur elle. La personne de cette sur elle. Dieu la chasse ce matin. Et Dieu la licence ce matin. Dieu la chasse ce matin. Et Dieu la licence ce matin pour faire son œuvre. L'Esprit de Dieu te remplira. Te remplira car Dieu te donne l'onction et la force d'amener tous les services d'ordre à être correctement, à vraiment gérer l'église. À gérer l'église correctement. Car son esprit est sur toi. Cette force est sur toi. Cette peur est sur toi. Tu as la force de Dieu. Tu as la force de Dieu. 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 Te remplira. Pour que tu fasses son œuvre. L'Esprit de Dieu te voit ce jour. Parce que Dieu t'a choisi, parce que Dieu a posé sa main sur toi, car à côté de son vie, tu vas servir le Seigneur. Soulevez l'option, parlez, dînez, amène-la à une chasse, amène-la à bien s'habiller pour la croix du Seigneur. Tu es une princesse de Dieu. Et l'image est toujours là, tu vois toujours. Tu marches sur cette rouge, avec ta beauté, ton habillement à marquer le Seigneur. Amène l'église. Amène l'église. Amène tes soeurs à s'appuyer correctement. Dieu t'a choisi dans ce moment. Dans le service d'autres. Cette exposition. Sur sa vie. Reçois l'onction ce matin. Et que sa présence demeure sur ta vie désormais. Dès aujourd'hui, fais-le ton Dieu. 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 En puissance. Merci cet esprit. Amen. Eric, reste là. Le Seigneur me dit, il s'agit de toi, mais j'ai vu, même qu'il a vu, je ne crois pas, il m'a promis. J'ai vu une personne dans le bord d'une rue, sur une rue même. Et j'ai vu la personne avait tenu des papiers géniques, des notices. Et la personne était en train de prendre des succès de chez lui. Les femmes qui étaient sur la route, Dieu me dit qu'il ne s'agit pas de la route, mais il s'agit de l'église. Que Dieu dit, t'a choisi dans cette église pour mettre de l'ordre. Que c'est l'ordre que tu mettais effectivement. Le musée que tu as choisi est à la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu a choisi pour toi, effectivement, là que le lien est pour toi. Parce que Dieu te consacre à ce ministère. La gloire de Dieu est sur ta vie. Dieu dit que le fardeau que je voyais, c'est le péché. Dieu te met à cœur. De mettre d'abord le péché en erreur, d'amener les gens dans l'église à vivre la sanctification, à vivre la sainteté. Dieu te charge de cette mission, car c'est ce qu'il t'a donné dans l'espace. Or, étant membre du service d'ordre,
Fais bien ton travail. Fais le travail que Dieu t'a donné, Dieu t'a choisi pour mettre de l'or dans l'église. De l'or, c'est pas physique, de l'or, c'est pas matériel. De l'or, c'est pas spirituel. L'esprit de la soupe, pêche pour glorifier ton nom, Seigneur. Et que ce matin, ta gloire et ta puissance soient sur sa vie. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ton puissant de justice. Je vis un homme. Le Dieu dit c'est toi. Mais j'ai vu cet homme-là, il était sale, il était habillé. Il avait porté de la pluie des campagnards. Et aussi, il avait tué à côté. Il y a une qui veut dire qu'elle est longue, un côté qu'elle est noire, un côté qu'elle est courte. Et le Seigneur me dit que ta famille a programmé la folie sur ta vie. Mais lui, Dieu, il t'a choisi. Il détruit cette folie. Il détruit les œuvres pour que ça ne t'appelle pas. Mais détruit ce qui se passe dans ta famille. Pour que tu t'appelles, pour que tu ailles prier. Mais dès aujourd'hui, ça va pas bien, ça va pas le poser ta vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je te conseille avec ton Dieu. Et je le parle au fond des ténèbres. À la puissance de la famille, à la folie. De quitter le parti complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis ton serviteur. Et manifeste ta grâce sur sa vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. La vie, c'est à toi. Vous la voyez? Dimanche s'est passé, j'ai déclaré une révélation sur lui. Une notion sur sa vie. Elle peut lui témoigner. Lundi qui a passé. Le dimanche après-midi, l'onction a saisi. Depuis sa maison, elle a pris la Bible. Elle a brûlé sur l'onction tout le quartier jusqu'en bas. Et par que j'ai appris, je me disais, après avant 8h. J'étais en prière, j'ai dit qu'il faut appeler 7h. Et l'esprit m'a dit, va ouvrir la porte, après j'ai ouvert la porte, c'est là où il passait. Elle passait sur l'onction de Dieu. Elle a brûlé sur l'onction de Dieu. Et quand j'ai rentré, l'esprit m'a dit, non, ne rentre pas, reviens. Et que je vais l'envoyer. Tu as prié pour elle pour que ça s'en cesse. Et si je me sentais au salon et j'attendais. J'attendais un moment, il tape la porte, quelqu'un frappe la porte. J'ouvre et elle à la porte. Devant la porte, j'ai pris sur elle et ça a calmé. Et elle était repris. Et quand elle est rentrée, je lui ai posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a expliqué que Dieu l'a saisi de force sur l'onction. Il a été sorti pour parler. Il a résisté de l'onction à saisir. Elle a évangélisé. Mais Dieu l'a dit de venir chez moi pour que je lui pose les mains pour qu'elle la cesse. Il dit bien compris. Est-ce que depuis ce jour, ça va plus encore? Combien de fois? Lundi passé. Lundi. Merci beaucoup. Vous voyez bien. C'est le nom de ce nouveau qui a déclenché sur sa vie. Lève les mecs. Quelque chose est en train de se faire dans sa vie. Il a dit. Dieu va utiliser les gens pour placer cette église. Quelque chose se passe. Vous voyez bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais je vois que tu es sur un lit. Est-ce que c'est lui? Tu as recouvert beaucoup de draps. Et tu t'es tapé, tu t'es regardé. Et le Seigneur me disait quoi? Le Seigneur me dit que. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu lui as donné ta vie. Toute ta famille s'est levée contre toi. Tu auras des persécutions, des attaques mystiques. Tu vas battre des sorciers. De ta famille, ils vont se lever. De mille manières, le Seigneur te dit ce matin. Des preuves sont mis à corps. Et serre-le sincèrement, comme c'est toi. Serre-le à fond. Que moi, Dieu, je vais t'utiliser puissamment. Puissamment. Et je déclare ces paroles sur ta vie. Et que l'onction qui t'a saisi soit manifeste. Et que la puissance de Dieu repose sur ta vie. Et que Dieu glorifie son nom. Et que ta misère change. Ta vie change. Et que tu puisses l'utiliser. Et que les sorciers qui vont se lever échouent. Et que ta victoire se lève échoue. Et qu'à partir d'aujourd'hui, la puissance de Dieu repose sur ta vie. Dieu t'a choisi pour faire son œuvre. Il ne faut plus négliger l'œuvre de Dieu. Je dis de le servir à fond et tu verras la gloire qui va reposer sur toi. Quand tu as envie de parler, tu vas sentir une visitation de l'esprit de Dieu, mais tu vas même. Tu vas déposer dans toi une onction qui est sur ta vie. Et cette onction qui vient, c'est pour la force. C'est pour la force qui te donne pour que tu puisses vraiment évangéliser. Pour que tu puisses servir le Seigneur. Pour que tu puisses servir avec puissance. Et j'assume. Et ta main bénie, tu vas prier pour les malades. Et ça va venir. Tu vas repérer des délivrances. Tu vas voir quelqu'un qui va te dire, tu vois ce que c'est.
Toi, dans les notions puissantes des prophéties que tu as faites, va supprimer les points. Si tu vas annoncer, va s'accomplir à la lettre. Parce que Dieu dit, il t'a choisi. Il t'a destiné à cela. Il a mis sur toi une option nouvelle, une force nouvelle, une puissance nouvelle qui vient sur toi. Et pendant que je suis en train de parler, je demande à ce que cette option, cette